Hey, salut toi, devant ton écran. Bon bah c'est Choupi et puis on se retrouve pour l'épisode 18 de l'île des Creepers. Série comment je pourrais dire? Explosive. Avec plein de booms partout. C'est Hiroshima, Fukushima, tout plein de trucs en même temps. C'est tout pour ma gueule. Donc voilà, sinon. En étant sérieuse, j'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, je vous fais de gros gros bisous. Parce que bah, je vous connais pas personnellement, mais je vous aime quand même. Je tiens à vous. Vous êtes important pour moi. Oula. Hop! Puis là, c'est le matin ou... Ah non, ça va être la nuit. Bah c'est cool, on va attendre la nuit. Je vais me refaire un casque. J'ai pas de fer. Ça commence à être un peu le caca. Hein. Je pense vraiment que je suis un petit peu dans la merde, là, en fait. Parce que j'ai plus beaucoup de fer. Dans la grotte, il n'y a plus beaucoup de fer. J'ai que quelques diams. C'est la galère. Bon, je vais me faire une épée en cobble au cas où mon épée en fer lâche pendant le fight. On sait jamais, ça peut me sauver la vie. Hop, voilà. Du sable, j'en ai pas spécialement besoin. Je vais quand même reprendre un pain. Voilà. Et je vais essayer de reboucher un peu les trous dehors en attendant. Parce que il y a bien bien trop de trous. Y a bien trop de trous. Donc oui, je le dis aussi à chaque fois, je précise que je filme cet épisode à la suite du précédent. C'est-à-dire donc que je ne peux pas prendre compte de vos remarques et de vos commentaires. Donc voilà, je suis désolée, mais quand j'ai un moment pour filmer, souvent je profite pour faire plusieurs vidéos d'un coup. Et du coup, eh ben, j'ai pas toujours du recul. Je vais essayer de faire un truc ici, parce que là c'est le bordel. Je rebouche avec de la cobble. Je vais essayer de faire ça à l'arrache. Ce que j'ai. Voilà, parfait. C'est ce qu'il me fallait. Ma pioche. Je vais juste reboucher histoire qu'on puisse passer. Voilà. Parce que là, c'est un petit peu le cirque quand même. Voilà. Comme ça, c'est bien. C'est très bien comme ça. Hop. Voilà. Bon, ça suffira pour le moment, ça me permet de passer ici. Je vais juste boucher comme ça. Toi, je t'avais vu, patate. C'est juste que j'ai pas mes armes en main. Et que je suis... Oh là, t'approches pas trop près. Ah bah voilà, merci. Je répare un truc, ça pète aussitôt. Ça va être tellement dégueulasse après la map. Ça va être immonde, il y aura des trous de partout, de la cobble mise n'importe comment. Le gros n'importe quoi. Alors ici, bonjour. Recule. Ah, ça meurt pas ces machins-là. C'est coriace hein, quand même. T'es laid. Je te déteste, je vais tuer toute ta famille. Boum, lumière. Toute façon, t'es une erreur de la nature. Tu devais être un cochon! Bon. Pour l'instant, ça se passe bien, à peu près. La chasse. Pourquoi je me suis retournée? Parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui me pète à la gueule, mais pour le coup, c'est celui de devant qui m'a pété à la gueule, alors que je savais qu'il était là. C'est assez étrange. Voilà. Merci, messieurs. Alors, là-bas, il y a encore un...
un machin sur une araignée, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bam. Ah bah ça me fait des flèches. Au moins c'est cool. Oula. Non, 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 non. Tu crois quoi, toi? Bon, finalement, je vais bel et bien avoir besoin de mon épée en cobble. L'épée en fer, c'est vraiment... Pff. Chiant pour ça, c'est que... C'est que ça s'use très très vite. Ok. Fail. Au moins, je suis pas morte. J'ai pris presque aucun dégât. Ça me convient. Ouais, non, mais c'est juste horrible. Regardez ça, quoi. Pff. On dirait que... Pff. On m'a balancé des missiles sur la tête. En fait, c'est pas fait exprès. C'est moi qui ai fait péter tout ce beau monde. J'en suis pas fière. Eh, parce que tous ces trous là dans la map, c'est autant de poudre qu'on n'a pas eu. C'est ça qui est bête. C'est ça qui est bête. Ici, y a pas grand monde. Là, il y a un noir. Ah, tu me saoules. Ah oui, c'est vrai, lui il pète même quand il meurt. J'oublie à chaque fois. C'est un truc de fou, pourtant on en a déjà croisé plusieurs, mais je sais pas. Ça rentre pas bien dans ma petite tête. Là, il y en a un aussi là-bas. Là. Il essaye de se cacher. C'est rusé, ces bêtes-là. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu con quand même, mais. Oh! Ouais, il doit y avoir un truc en dessous parce que. Je sais pas si vous entendez le squelette. Oh, il y a un mutant. Il m'a vu. Casse-toi. Oh non. Putain. Cassos. Wow, wow, wow. C'est bon. C'est stressant. C'est extrêmement stressant. Je vous conseille de jamais reprendre ma série. C'est trop paniquant. Ah, super. Moi, j'ai un petit peu plus de poudre. Oh, j'ai eu trop peur là. C'était la galère. J'étais pas du tout prête. En fait, quand c'est moi qui le vois, ça va. Mais quand il me voit en premier, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Et là, je dois avouer que j'étais un petit peu dans le caca. Il y a plein de creepers qui m'ont explosé dessus. Bon, ça va, 13 poudres. Il m'en faudrait un petit peu plus. Je vais manger ma pomme. Là-bas, il y a des noirs et des violets. Oh, ils m'ont vu. Ah non, c'est bon. Gueux. C'est quoi cette araignée avec du sucre glace là? C'est une araignée en armure? Oh non, sérieux quoi. Le truc, c'est un zombie avec un arc sur un tank. Normal. Tout à fait normal. Bon. Toi, dégage. Vas-y, pète. Voilà. C'est toi que je veux, tiens. Le vert. T'es plus joli, le vert. C'est mieux, le vert. C'est plus mieux. Merci de ta générosité, aucune poudre. On a l'habitude. Alors là, il y a un violet, non. Un rouge. Et là, il y a un vert. Les verts, c'est les mieux. Ah, nickel. 15 poudres, enfin je crois. On va remonter. Ah, c'est bon, ça a des pop. Enfin, je crois. Ouais, ça a des pop. Tiens-toi, crame. Vas-y, crame, crame, crame. Si t'exploses, c'est abusé. Ouais, voilà. On va éteindre le feu quand même, parce que si on crame toute la forêt,
Ce serait bête. Allez, on va remonter. Comme une idiote, j'ai totalement oublié de démarrer mon chrono. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est. Je sais qu'on a passé une nuit, donc ça fait à peu près 10 minutes. Donc on va passer le jour, et puis quand ce sera le tombé de la nuit, on se quittera, malheureusement. Pouet, 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 il faut que j'aille absolument miner. Je suis absolument désolée, mais il faut que j'aille absolument miner. C'est absolument, absolument. Alors on va ranger ça. Je vais le garder au cas où. Tac, je vais ranger le sac. Je viens de me rendre compte que je l'avais sur moi, la patate. Tu meurs avec le sac. Ta série est foutue. Et c'est tout. Je vais quand même prendre la deuxième recharge. Je sais pas où elle est. Je crois que je l'ai rangée. Ici, voilà. Parce que sinon, je vais mourir. Allez, descendons, les amis. Tintin. Tintin. Bon, alors. Donc méchant, alors, venez, mes petits amis. C'est bien là, ça a bien poussé là. Là c'est cool. C'est bien sympa. Hop. C'est parfait. Bon, on va pas tout ramasser, hein. Je vais ramasser ça et puis ça ira pour le moment. On va laisser pousser l'autre côté complètement, je pense. Là, 23, hop, 25, c'est bon. Le reste, on va laisser pousser. On va descendre chercher du fer, si j'en trouve, ça serait vraiment super. Rien qu'un petit peu, hein. Ce serait bien. Parce que là, bon, bah voilà, l'autre, il m'a carrément bouché l'entrée. En fait, il a bien prévu son coup, il m'a tout bouché, quoi, complètement. Non mais d'accord quoi. Il a super bien visé, tout parfait quoi. Je vois rien du tout. Ah ça y est, c'est bon. J'ai trouvé le bout. Bon allez, on va faire ça comme ça. En espérant trouver quelque chose. Pourquoi il y a un trou ici? D'accord. Un petit peu de fer s'il vous plaît les gens. Dieu Notch et Dieu Jeb et tous les autres. S'il vous plaît. Je serai gentil. Exaucez ma prière. Là, je me sens seule. Merci. Vous êtes tellement gentil. Et là, il y a un lac de lave en dessous. Wata! Tout cramé. Ah, oh, c'est un long filon. J'aime quand c'est long. C'est super long. C'est super long. C'est trop cool. Voilà, c'est tout parfait. Cesse de faire. Que demande le peuple? Voyons. Là par contre, ah voilà. Je comprenais pas. C'est où mon trou? Ah, c'est là. Parfait. Bon allez, on va juste avancer un petit peu, mais cesse de faire, ça devrait m'aider. Il faut que je refasse absolument mon casque. Ça fait 5. Mon pantalon, ça fait 7. Donc ça fait 12. Il faut que je me refasse une épée, ça fait 14. Et ça sera déjà pas mal. Donc ça devrait aller pour l'instant. Alors, je vais juste regarder. On sait jamais, des fois qu'il y en a un petit peu. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je sais pas. Là par contre, vous voyez rien. Hop. Il faudrait que je répare mon... Ma diamond
Pickaxe. Mais je peux pas parce que j'ai pas de fer et il me faut, je vous le donne en mille, une enclume. Donc ce n'est pas possible. J'entends de l'eau. Je sais pas c'est par où. Ce serait par là peut-être. Bon. Je voudrais bien trouver une petite grotte avec tout plein de ressources. Plein de diams et tout. Super. Bon, allez, je pense qu'on va remonter. Je vais pas vous obliger à faire du minage pendant. Enfin, à faire du minage. À observer pendant plus de 10 minutes. Tout ça. Bon, allez. C'est pas grave, on a trouvé au moins 16 de fer, c'est cool. Ça sera assez pour survivre un certain temps. Donc au pire, j'irai en chercher plus tard. Oh là, j'ai creusé vraiment loin en fait. Je m'étais pas rendu compte, mais en fait, si, c'est super super loin. Enfin, ça va en fait, mais bon, allez ici. Un petit filon. Allez. Allez, allez. On est motivé, on peut le faire, on peut trouver du fer. C'était monsieur jeu de mots. Touk. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas du tout. Bon. Allez, on va remonter. Alors. Je suis sûre que j'en ai laissé là-bas, plein. Mais j'ai peur de me faire exploser la gueule en fait. Je sais qu'il y en a dans le coin, mais. C'est hyper dangereux, je suis morte plein de fois ici. À cause du brouillard. C'est dangereux. Il y en a là. Allez, on va prendre celui-là. Juste celui-là. Allez, on repart parce que. Si j'ai bien retenu une chose la dernière fois, c'est que. Il faut pas être trop gourmand. Si on le sent pas, il faut pas y aller. Il faut être prudent. Là, ça va, il y a du fer. Là. Yes. Là, il y a masse de fer. Là, c'est cool. Je vais pouvoir me refaire toute mon armure, me refaire des recharges, me faire un petit peu d'épée. Et en plus, il y a de l'or. Donc, je vais peut-être même pouvoir me faire un flingue en or. Derrière, il y en a encore. Non, il n'y en a plus. Bon, allez. Ce coup-ci, je remonte. Là, ce coup-ci, c'est bon. Je sais pas combien j'ai de fer. Je dois en avoir une trentaine. 37. C'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir me refaire toute mon armure. Ça va être nickel. Des épées, surtout. Et puis, un petit peu de recharge. Mais ça, c'est moins important. Je vais manger quand même un peu. Parce que bon. J'ai mon ventre qui gargouille. Creeper? Non, personne. Au plafond, il y a peut-être hein, du fer en fait. Là-bas, il y a un creeper, mais bon, je vais pas aller le chercher. Ah oui, il y en a là. Bon, c'est pas grave, j'irai le chercher plus tard. Il faudra juste que je me souvienne où il est. Allez, on va remonter. Bon. Il fait jour, on va cuire ça. Et je vais me refaire des fours parce que là, je sais pas pourquoi j'en ai qu'un. Alors qu'en fait, j'ai eu de la place pour en mettre d'autres. Je sais pas c'était quoi mon idée, mais. C'est pas très malin tout ça. Bah, je vais en mettre là. Hein. Hop. Voilà, je peux en mettre un là. Je peux en mettre un. Je peux en mettre partout. Là, hop. C'est pas très beau, mais bon. Ici, hop, on va cuire l'or. Je sais pas combien qu'il nous en faut pour le pistolet. Je crois que c'est 12.
Donc j'en ai largement pas assez, mais bon, on va le conserver. Et puis si on retrouve de l'or plus tard, et ben on pourra faire notre flingue en or. Alors on va faire du pain pour changer. Hop, parfait. 10 de pain, c'est bien. On va ranger ça. Le fer là, je le prends. C'est pas ça. Voilà, ça. Alors, je vais me faire déjà deux épées. Parce que j'en ai bien besoin. Une, deux. C'est le plus important parce que les recharges, ça se bouffe trop vite. Et je vais faire plus à l'épée maintenant. Enfin, je vais essayer. Je vais me faire un casque. Donc, ça demande 5. Voilà. Et plus tard, je pourrai me faire le reste avec les 28 qui me restent. Donc c'est tout parfait, c'est tout bon pour moi. J'ai juste assez. Il faudrait que je range un peu. Et c'est vrai que on m'a dit, je ne sais plus qui me l'a dit. Mais merci à toi, c'est vrai que j'ai trop de cobble. Pff, ça sert à rien du tout. On va faire un petit feu de camp. Je me chauffe à la cobble. Voilà. Parfait. Il y a quand même plus de place. Je vais pouvoir ranger d'autres merdes qui me servent pas. voilà. Pourquoi il y a une porte? Enfin, pourquoi elle est là surtout? Pourquoi elle est pas à sa place? Bon, allez, on va descendre. Je vais juste poser la porte. Oh, un petit mouton! Trop mignon, tu veux rester avec moi? Ah, pousse-toi, je mets la porte. Voilà. De rien. Le truc qui me parle. Allez, on se fait encore un creeper. Et après, je vous laisse. Parce qu'après, ça va faire très long. Trop long. Donc là, je vois pas de creeper. Je sais pas où ils sont. Ils font peut-être une petite réunion du perroir. Bon, écoutez, hein, on va rentrer. Je vais rentrer parce que bon, je vois pas de creeper là tout de suite maintenant. Donc on va attendre, on va pas perdre de temps. Et puis on va laisser cette nuit de chasse pour le prochain épisode. On va mettre une petite torche pour le mouton. Ça va toi? Hein? Bon allez. On se dit au revoir. Allez. Salut les gens, à plus et portez-vous bien. Allez, bisous.